10 mots à traduire en nouvelles, en conte et en dessin. C'est le concours intitulé « Dis-moi 10 mots sur la toile ». À la cérémonie de remise de prix au lauréat, le secrétaire de la commission permanente de la francophonie se désole du niveau de plus en plus bas des jeunes dans la langue de Molière. La langue française se porte aujourd'hui très mal. Elle est mal parlée, elle est mal écrite, surtout par les jeunes. Les propos du conseiller culturel à l'ambassade de France sonnent comme une réponse qui complète le discours de Adolphe Pachavi. La promotion du français ne peut pas être découplée de la promotion du multilinguisme, qui passe en particulier par la prise en compte des langues maternelles. Le concours est organisé par l'Association des professeurs de français du Bénin. Pour cette édition qui, en la matière, est toute nouvelle parce que pour la première fois, l'association est très clairement impliquée en tant qu'institution. Nous avons dit que nous n'allions pas trop embrasser au risque de mal étreindre. Et donc, le reste des départements a cru devoir se joindre à la fête, quand bien même les moyens n'étaient pas tout à fait disponibles pour assumer tout le Bénin, donc, est représenté d'un point de vue symbolique par les présidents des 12 départements de l'Association des professeurs de français du Bénin. L'exploit est réalisé par les enfants de troupe du lycée militaire des jeunes filles de Natitengou qui se sont taillées la part du lion.